Salut friend, c'est moi Mounir, marhaba. Dans ma quête pour trouver le fond de teint parfait, j'ai décidé de lancer un petit série sur ma chaîne car j'ai quelques petits échantillons de fond de teint que je souhaite essayer et voir si ça vaut le coup pour les acheter ou non. Disclaimer, quand vous cherchez un fond de teint, il faut que ça soit adapté à vous et vos besoins. Si vous avez des questions sur comment trouver votre fond de teint parfait, regardez ma vidéo sur la base parfaite. Je vous mettrai la vidéo sur l'écran. Donc pour commencer cette petite série, je vais me servir de l'échantillon de fond de teint Dior Star, qui est un fond de teint studieux, lumineux et spectaculaire. J'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé le fond de teint sur Beauty Success. Sur le site de Beauty Success, Dior Star fond de teint, inspiré des techniques de mise en lumière professionnelle et du savoir-faire de ses make-up artistes, durant un vote Dior Skin Star. Son premier fond de teint Brightening, un fluide sans matière capable de recréer la lumière spectaculaire et perfectrice des studios Dior. Donc il y a des résultats immédiats qui marquent le teint est plus lumineux et visiblement plus homogène. Ensuite, durablement, le teint est clarifié, plus pur, plus éblouissante. Et il y a des ingrédients soins anti-piège à lumière. Il parle pas de la couvrance, ni si le fond de teint est fait pour les peaux secs, mixtes, grasses. Donc j'ai aucune idée. On va tester ça ensemble et on va voir comment ça marche. Pour donner ce fond de teint une chance à 100%, je vais utiliser ma base favorite, Bobbi Brown base de maquillage vitaminée. Donc je vais le prendre sur mon Beauty Blender directement. Et je vais faire la moitié de mon visage avec pinceau et l'autre moitié avec une éponge. Donc je vais prendre le pinceau Morphe Y6. Clairement ce côté ça sera avec le pinceau. Première application, il est vraiment pas mal. J'aurais pensé qu'il était foncé pour moi, mais non. Il s'estompe super facilement. Il est déjà intégré dans ma peau complètement. Que pensez-vous? Honnêtement, pour moi, ça me plaît très bien. Il y a un petit luminosité du fond de teint qui est très sympa. Et comme vous pouvez voir la différence entre ce côté-là où il y a du fond de teint et ce côté-là. Donc la couvrance est, je veux dire, moyen, un petit peu moins que moyen. Mais c'est buildable parce que j'ai mis une deuxième couche sur le front et je voulais tester. Et ça accrochait bien. Honnêtement, j'ai pas besoin d'estomper plus que ça parce qu'il est pas mal du tout comme ça. Donc on va passer directement à l'éponge. Donc je vais prendre l'éponge de chez Morphe. Reprends un peu de fond de teint que je mets directement sur l'éponge. Donc les deux côtés sont appliqués. Honnêtement, dans les rares fois que j'ai dit je préfère le fond de teint en application avec pinceau, celui-là, je le préfère avec pinceau. Je trouve l'application est beaucoup plus homogène. Ça camouflait beaucoup mieux mes pores. Je pense qu'on a un gagnant ici. Jusqu'à ce moment, pour moi, on a un gagnant. On verra parce que je vais vous tenir au courant au cours de la journée pour vous dire si ça marche, si ça marche pas. Ah oui, je me suis fait mal. On va passer à l'anti-cerne et je prends Maybelline Effaceur. Et mon anti-cerne favori. Je veux laisser l'anti-cerne un petit peu posé under eyes et je vais prendre la palette de chez NYX qui est la palette de fond de teint, mais je vais l'utiliser pour le contouring et je vais prendre celui-là que j'utilise le plus. Quand je l'utilise toujours que pour le contouring, un petit peu sur le doigt. Donc de préférence personnellement, j'utilise toujours les couleurs plutôt chaud que froid pour faire le contouring. Mais ça c'est préférence personnelle si vous voulez. Je ne veux pas faire du contouring des endroits où ça se voit pas. Ça sert à rien. Je vais prendre une petite pinceau et je vais mettre un petit peu autour du nez. Je vais monter vers les sourcils pour que ça donne une sorte de continuité de ce qu'on a fait. Et pour nettoyer, je prends le plus clair et faire un petit trait au milieu. Je prends mon Beauty Blender et je commence d'estomper le contouring. Quand vous faites du contouring crème, il faut prendre votre temps d'estomper, ne pas laisser des traces visibles de l'endroit de l'application. Il faut que ça se mélange avec votre fond de teint. Et pour l'instant, je suis super content parce que je trouve que ce papachi s'applique super bien, comme vous pouvez voir.
Je suis agréablement surpris jusqu'au maintenant. Je trouve ça super sympa. Ouh, Snatch. Snatch. Vous voyez, je me sers de qu'est-ce qu'il y a under eyes et je le tire au côté du nez pour que je puisse nettoyer mon contouring du nez. Je vais aller montrer mon copain et lui demander son avis. Donc je lui ai montré, il m'a dit c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on va passer aux poudres. Je vais prendre le poudre By Terry, qui est le poudre Hydra Powder, qui est en poudre très fine, très très fine. Je ne sais pas si vous pouvez voir, le poudre s'envole. Et elle est extrêmement bien. C'est une des meilleures que j'ai jamais utilisées. Je prends sur le Beauty Blender et on va faire le tour des yeux. Donc, elle apparaît blanche, mais elle n'est pas blanche, elle est transparente. Et si vous avez un certain âge comme moi, elle est très bien. Parce qu'il y a beaucoup de poudres qui sont bien pour matifier, qui lissent la peau, mais qui accentuent un petit peu le vieillissement de la peau, si vous voulez. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et pour cela, je trouve celui-là, elle est parfaite. Maintenant, je prends encore et je mets partout sur le visage, même les endroits où j'ai fait le contouring. Pinceau fluffy et on fait le tour de tout, enlever tout. Vous voyez, malgré que j'ai enlevé le poudre, on voit toujours parfaitement bien le bronzing. Et c'est ça que j'aime bien dans cette poudre. Il est matifié, donc il est très lisse, visiblement lisse et à la touche également. Mais il est là. Parce que par exemple, si j'utilisais le Peach Perfect, que j'aime bien aussi, on verra plus. Parce qu'elle est couvrante un petit peu. La même chose, j'aime bien le poudre Matte and Poreless, mais si je l'utilise pendant que j'ai fait un contouring de crème, on ne le verra plus non plus. Pas le poudre, mais le contouring. J'espère que c'est clair, qu'est-ce que je dis. J'ai l'impression que je blabla trop, et je ne suis pas très clair. Pas grave, c'est ma première revue de fond de teint. J'apprends, j'apprends. Maintenant, c'est matifié, on va regarder ensemble. Attendez, je vais ramener ma petite miroir pour que je puisse voir. Ça donne quoi? Que pensez-vous? Maintenant que c'est matifié, je vois pas trop la différence entre côté éponge et côté pinceau. Ok, je suis amoureux de ce fond de teint. Il n'y a rien à dire, j'adore. Laissez-moi aller finir le teint et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, je suis de retour, je fais mon maquillage en entier et jusqu'au ce moment, le fond de teint, il est en parfait état. Il n'y a pas de craquement, tout est parfait, bien lisse. J'aime vraiment bien ce fond de teint là. Donc pour vous le donner court, j'aime bien ce fond de teint. Jusqu'au maintenant, il tient super bien sur la peau. Il a été facile à appliquer. La couvrance était moyenne quand même. Donc si vous êtes fan des fonds de teint haute couvrance, ça c'est pas pour vous. Moi je suis fan des fonds de teint haute couvrance également. Mais celui-là a un effet qui fait plaisir. Quand vous l'appliquez, ça vous donne une peau presque parfaite et c'est plutôt sympa et normalement c'est le résultat attendu des fonds de teint. Donc la couvrance est pas toujours la critère plus important dans un fond de teint. Je vais chercher il y a combien de teintes de ce fond de teint. Je vais aller directement sur le site de Dior parce que sur Beauty Success il n'y a que un teint disponible. Je vais aller sur le site de Dior directement et voir. Mais pas sur le site de Dior, j'arrive pas à trouver. Donc je continue un petit peu de chercher. Donc c'est un web exclusif, pardon, c'est un web exclusif. Il coûte 37,80 sur un site qui s'appelle news-parfum.com, parfum en pluriel. En tout cas, je vous mettrai les liens dans le barre d'infos. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 teints. Il y a deux dans les foncés. Et le 10 restant, c'est dans le clair. C'est un petit peu dommage. C'est pas une bataille à gagner maintenant. C'est une bataille qui dure depuis maintenant longtemps, qui continue à durer. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui servent pour certains personnes, mais pas tout le monde. Donc, c'est pas très inclusive. Et ça, c'est un peu dommage quand même. Ça change pas mon avis du fond de teint. Il marchait super bien. Il s'appliquait très, très, très bien. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais le garder sur ma peau et je reviens vous voir à la fin de la journée pour vous donner vraiment mes pressentiments et vous montrer également l'état du fond de teint ou l'état du teint après une journée complète de voilà, vie à la maison en confinement. Je vous retrouve après le dîner. J'avais aucune envie, mais j'ai remis mes rouges à lèvres et j'ai ajouté un gloss juste pour vous.
Bon, je suis de retour et mon avis n'a pas changé, toujours. Le fond de teint, il a parfaitement bien tenu la journée. Il est toujours très bien. Donc oui, je confirme qu'est-ce que j'ai dit. Le Dior Star fond de teint, il est OK pour moi. Si vous avez entre 37 et 49 euros à débourser sur un fond de teint, sachant qu'il y a moins cher et aussi bien, celui-là, il fait partie des fonds de teint que je peux vous dire oui, vous pouvez l'acheter et l'utiliser. Et avec ça, mes chers amis, la vidéo de revue du fond de teint Dior Star est désormais terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir ce look de maquillage, il y aura une vidéo très prochainement sur ma chaîne. Je pense que c'est la vidéo qui suivra cette vidéo-là, où il sera déjà posté et vous trouverez sur l'écran à l'endroit pour vous ramener à la vidéo. Je ne sais pas, je posterai lequel avant, mais je pense que celui-là va partir avant. Je vous laisse, prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!